Alors après, ton sapin, tu le mets bien sur un bord. Ou pas, parce que tu vois, si on le met là, on ne pourra plus utiliser le reste de la terre. Donc, il ne faut pas gaspiller. Voilà. On met un peu plus sur le bord. Comme ça. Et on appuie. Et tu appuies. Et appuie bien fort. Voilà. Encore sur les côtés ici. Là, sur les côtés. Voilà. On peut devenir pâtissier après, c'est bien. Tiens, tu peux prendre un stylo, un stylo magique. Oh, celui-là. Tout celui-ci, ça va mieux pour toi. Voilà, regarde. Ça va aller maintenant. Ça va, Clémence? Oui. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tiens, tu as une grande orange, là. Tu as le plus petit, tu as l'étoile filante, le sapin, les carottes. Doucement. Super. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas en faire? On va les accrocher pour accrocher au sapin. Alors, pour accrocher au sapin, il faut faire un petit trou. On va faire un petit trou ici. On va faire un trou ici. Au bras des anges, là. Un là. Et sur l'étoile filante, comme ça on pourra les suspendre. Ah, moi aussi j'en avais fait deux petits anges et maintenant il y en a un chez ma mamie accroché et un chez moi. Eh bien tu peux continuer à en faire. Hein. Ici et ici. D'accord? Allez, vas-y. Ouais. Voilà, vas-y. On tire. Très bien. Et ici. Super. J'ai commencé à enlever un petit peu de pâte. Tiens, donne, je termine. Voilà. Je vais faire un trou un peu plus. Attends, un peu plus épais. On va utiliser autre chose. Tiens, regarde.